Un jour d'automne 1970, rencontre de football Albanie-Hollande. Tout Tirana est là. Ailleurs, les sociétés de consommation. Ici, la bicyclette. Chacun l'a compris tout bas, personne ne le dit trop. Au-delà du sport, c'est un peu le match Est-Ouest qui se joue. Un match qui dure, soit dit en passant, depuis 25 ans. L'Albanie garde bien ses portes. Elle ne s'ouvre pas sans réfléchir au regard de l'Occident. Le stade de Tirana fut jusqu'ici, pour les reporters occidentaux, la seule chance de jeter, comme en coulisses, de furtifs regards sur la vie albanaise. Rencontre Est-Ouest, oui, mais l'Albanie ne joue-t-elle pas les originales dans son propre camp? Pour beaucoup d'Européens de l'Ouest et même de l'Est, ce petit pays trop rouge et trop secret, c'est déjà la Chine. Les Chinois viennent peut-être en Albanie, discrètement d'ailleurs, mais l'Albanie n'est pas encore pour autant partie en Chine, tant s'en faut. Que l'Albanie se veuille avant tout albanaise, les murs de ce stade le proclament. D'une main la pioche, de l'autre le fusil. À cette image clé, symbole de l'identité nationale, répondent d'autres slogans. L'endurance physique pour le travail et la défense est un devoir patriotique. Pas d'éducation communiste sans éducation physique. Plus vite, plus haut, plus loin, etc. Autre cieux, autre publicité. Albanie, république du sud-est de l'Europe, dans la péninsule des Balkans, en bordure de l'Adriatique. Superficie, les deux tiers de la Suisse seulement. Une étroite plaine côtière et des montagnes. Population actuelle, plus de 2 millions d'habitants. Une seule langue, hier encore trois religions. Voilà pour l'encyclopédie. Le mot albanais signifie à l'origine « fils de l'aigle ». La montagne ici symbolise la résistance. Voilà pourquoi les Albanais, hier sentinelles de l'Europe en face des Turcs, sursautent lorsqu'on les soupçonne aujourd'hui de livrer l'une des portes du vieux continent à la Chine. Les torrents et les rivières d'Albanie ne coulent pas vers l'Orient. Nous sommes ici dans les ruines de la forteresse de Kruja. C'est un des hauts lieux, je crois, de l'histoire albanaise. Effectivement, c'est le point de départ de l'épopée de Skanderbeg, le héros national de l'Albanie. Qui est Skanderbeg? Skanderbeg, c'est, je dirais que c'est un peu l'équivalent de Jeanne d'Arc pour les Albanais. C'est le début de l'identité nationale, c'est le début de l'Albanie. Skanderbeg était un prince, Georges Castriotti, qui a été élevé chez les Turcs. Les Turcs avaient l'habitude d'enlever comme ça des héritiers nobles. Et il est devenu un grand général de l'armée turque, si bien qu'on lui a donné le surnom d'Alexandre, Skanderbeg. Et il a, à partir de, je crois que c'est 1444, il s'est dressé contre la puissance des Turcs et tout seul, il a entamé une lutte nationale et dont le point de départ est ici, c'est Kruja, c'est le cœur même de la résistance albanaise aux Turcs. Et cette résistance a duré 25 ans, il a
tenu ici, en Albanie, plus longtemps que le reste de l'Europe, puisque sa résistance, enfin sa mort, se situe bien après la prise de Constantinople par les Turcs. C'était une sorte de héros européen, en fait, parce que la crainte des Turcs était générale en Europe. Exactement. D'ailleurs, la révolte de Skanderbeg a été liée à des tentatives de révolte comme celle des Hongrois pour faire reculer les Turcs. Ça a marqué les limites du monde occidental, et Skanderbeg est une de ces résistances. Mais ce qui est important, c'est que c'est en même temps la prise de conscience du peuple albanais comme tel. Il avait une tactique particulière Là aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait presque dire que Skanderbeg est un des inventeurs de la guérilla, en ce sens que sa tactique, qui est restée célèbre, était de ne pas s'enfermer dans une citadelle comme le prince féodal, mais de laisser là une garnison avec des hommes sûrs, bien entendu, qui défendaient la citadelle, et lui de prendre le maquis, de prendre la campagne, de harceler les arrières. Et en cela, il est particulièrement un héros pour l'Albanie actuelle, parce que c'était bien un de ces chefs dont on peut dire qu'ils étaient dans le peuple comme un poisson dans l'eau. Est-ce qu'on peut considérer qu'au fond, l'épopée de Skanderbeg, c'est l'an 1 de l'Albanie? Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est l'an 1 de l'Albanie, parce que l'Albanie a eu des ans 1 extrêmement nombreux. Il y en a un qui se situe certainement dans la nuit des temps, plusieurs millénaires avant le Christ. Il y a eu un an 1 de l'Albanie au 19e siècle, au moment de la Renaissance albanaise, avec des intellectuels. Il y a eu un an 1 de l'Albanie quand l'Albanie est devenue indépendante après la Deuxième Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale, pardon. Et puis, il y a eu un an 1 de l'Albanie nouvelle, celle qui est née de la Deuxième Guerre mondiale, de la révolte populaire, de la révolution albanaise. Mais si Skanderbeg n'est qu'un des ans 1 possibles de l'Albanie, moi je dirais que c'est l'an 1 du défi albanais. La figure de Skanderbeg, héros du XVe siècle, ouvre à l'épopée albanaise un itinéraire qui, de statue en symbole, repose l'éternelle question. Qu'est-ce qui, dans l'histoire d'un pays, appartient à la politique, et qu'est-ce qui, dans sa politique, appartient à l'histoire ? Le prince Skanderbeg peut conduire à Lénine sans l'annoncer. En 5 siècles, le pays s'affirme et change. C'est de l'histoire. Lénine n'a pas tourné le dos à Staline. En un quart de siècle, le régime s'affirme aussi, mais lui ne change pas. C'est de la politique. Pourquoi aujourd'hui Staline a tyranna ? Nous sommes pour le marxisme-léninisme pur. Voilà pourquoi, à côté de nos héros nationaux, comme Skanderbeg, nous avons érigé aussi la statue de Lénine et celle de Staline. Vous connaissez déjà toutes les calomnies qui sont inventées par les ennemis du marxisme-léninisme, en premier lieu par les révisionnistes modernes de Moscou, sur la personnalité de Staline. Si vous voyez des statues à Tirana ou dans d'autres villes de l'Albanie de Staline, cela veut dire que Staline vit dans le cœur des Albanais. Parce que Staline est considéré chez nous comme un grand révolutionnaire, comme un théoricien, un praticien de la révolution, comme un élève fidèle de Lénine. Et nous considérons que c'est sous la direction de Staline que l'Union soviétique a pu construire le socialisme, c'est-à-dire construire une économie, une industrie, une agriculture, etc., qui a fait de l'Union soviétique un État puissant, même au point de vue militaire, ce qui lui a donné la possibilité d'écraser les armées hitlériennes et sauver de cette façon l'Europe et tous les autres peuples du monde. Voilà pourquoi nous respectons en Staline un grand révolutionnaire et un grand homme d'État. Le défi albanais. Printemps 1939, occupation par les troupes de l'Italie fasciste. Automne 43, invasion des troupes hitlériennes. Novembre 44, victoire définitive des brigades de l'Armée de Libération Nationale, dont le Parti communiste albanais, créé dans la clandestinité, a été le principal moteur. Janvier 46, proclamation de la République populaire d'Albanie. Brigades, partisans, résistance.
Ce vocabulaire épique, 25 ans plus tard, appartient toujours au langage et au paysage quotidien de l'Albanie. Les monuments, les musées, la littérature, le cinéma albanais, on va en voir un exemple, sont autant de références à ces heures héroïques qui ont profondément marqué la conscience nationale. Dans la foulée de Staline, le camarade Enver Hoxha, le chef le plus remarqué de la résistance, qui va à l'avenir conduire le pays. Parti, partisan, patrie. Ces mots semblent désormais se confondre dans le discours et la conscience politique en Albanie. Le Parti communiste, devenu aujourd'hui Parti du travail d'Albanie, inscrit partout dans la République populaire ses initiales géantes PPSH. Qui dira jamais les heures d'effort qu'on aux jeunesses paysannes, ouvrières ou étudiantes, ces pierres qu'il a fallu transporter, entasser et aligner pour que soit présent jusqu'au sommet des montagnes le nom du parti et celui du premier secrétaire du comité central, le camarade Enver Hoxha. Aux inscriptions coutumières s'ajoute encore cette année l'abréviation d'une date, celle des élections générales fixées au 20 septembre. Elles ont lieu tous les 4 ans. Pas de propagande contradictoire à l'occidental, bien sûr, mais une invitation par le slogan et par l'image à se pénétrer des devoirs qu'impose la construction du socialisme. Il y a en Albanie plus de 2 millions d'habitants, mais le Parti du Travail compte moins de 100 000 membres. Pour être reçu membre du parti, il faut d'abord faire ses preuves. La liste unique proposée aux électeurs est celle du Front démocratique, qui groupe des citoyens, membres du parti ou non, mais acceptant tous le principe marxiste-léniniste de la dictature du prolétariat. Le président du Front démocratique est le camarade Enver Hoxha en personne. Petrella, 870 habitants, le matin des élections. C'est dimanche, jour de repos. Dès les premières lueurs de l'aube, les hommes et les femmes se mettent en route pour aller accomplir dans une atmosphère de culte civique et de fête leur devoir d'électeur. Les élections, aujourd'hui, sont triples. Il s'agit d'élire en effet non seulement les membres de l'Assemblée populaire nationale, mais également les membres des conseils populaires locaux, ainsi que ceux des tribunaux populaires. Pour les Gibraltar.
local de vote est installé dans la maison de la culture du village. Les listes soumises à l'approbation des citoyens ne prévoient qu'un candidat par siège disponible. L'électeur a toutefois la possibilité de biffer le nom d'un candidat du Front démocratique qui ne lui plairait pas pour le remplacer par un autre nom de son choix. Ces initiatives isolées permettent de déceler, cas échéant, la moindre popularité d'un candidat. Elles valorisent aussi la discipline de l'électeur appelé à se prononcer. Dans le régime étatique albanais, les élections sont en fait un immense plébiscite. Le jeu politique se joue en réalité au stade préparatoire, au cours des assemblées locales et régionales, où l'on dresse, par élimination successive, les listes électorales. La fête civique est donc sans surprise. Participation record de 100%. Les candidats du Front sont plébiscités à 100% également. Patriotes, invités par le parti qui l'informe à résister aujourd'hui au révisionnisme d'un côté, au capitalisme de l'autre et à la réaction partout, le citoyen obéit. Le défi albanais continue. Le portrait d'Enver Hoxha est partout. Nous souhaitions filmer le premier secrétaire au moment où il se rendrait lui-même aux urnes. On nous a laissé entendre que c'était là un privilège réservé aux opérateurs albanais. Voici la séquence qu'ils ont tournée pour nous. Le camarade Hoxha est né en 1908. Il a fait ses études au lycée français de Korça, une ville du sud de l'Albanie, où il devint professeur par la suite. Il a vécu 6 ans en France. C'est lui qui fonda le Parti communiste albanais en 1941, en pleine résistance. D'aucuns voient en lui un doctrinaire, une sorte de chef spirituel du marxisme à l'état pur. Il ne cache pas que dans le pays qu'il dirige depuis plus de 20 ans, les églises et les mosquées sont devenues avec le temps, selon le cas, des musées, des maisons de la culture ou des salles de gymnastique. Voici comment, dans la chapelle marxiste albanaise, on analyse, selon le dogme Hoxha, le facteur historique religieux. La lutte contre les églises n'a pas commencé après la libération de l'Albanie, c'est-à-dire après 1944. Les grands patriotes albanais ont commencé la lutte contre les églises même à partir de la fin du 19e siècle, du siècle passé, du commencement du 20e siècle, en disant que les Albanais sont des Albanais. Il faut avoir comme religion l'Albanie. Parce qu'ils voyaient dans l'attitude et dans les actions du clergé haut placé de ces églises des attitudes hostiles à l'indépendance de l'Albanie. Nous n'avons rien forcé. Nous n'avons pas émis de décret contre les églises ou pour la fermeture de telle ou telle église, de telle religion. Nous avons expliqué le côté matérialiste. Nous avons propagé la base scientifique de la formation du monde, des phénomènes de la nature, des phénomènes sociaux, etc. etc. Et finalement, l'idéologie matérialiste a eu le dessus sur l'idéologie idéaliste. Puis, il est venu un temps où
Les gens ne voulaient plus aller à l'église parce qu'ils comprenaient clairement l'inutilité d'une telle église. Et la jeunesse qui est à l'avant-garde, qui était et toujours à l'avant-garde de la révolution ininterrompue en Albanie, a demandé qu'on ferme les églises. Et nous les avons fermées. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Europe et qui disent « Pourquoi avez-vous fermé les églises ?» Et nous leur répondons « Mais vous, pourquoi vous les avez ouvertes ?» Cela peut vraiment se produire sans heurt et sans douleur, pour tout le monde. Mais certainement, il y a eu des gens qui ont regretté de voir les églises fermées, mais c'était de vieux gens, très rares, vous savez. D'ailleurs, nous n'avons empêché personne d'aller à l'église. Les églises étaient ouvertes, mais on voyait que cela ne servait à rien. À la fin, parce que pendant des millénaires, on a prié le bon Dieu de nous donner le pain quotidien, etc., etc., mais les gens ont vu que c'était la révolution qui assurait le pain, le bien-être des hommes, etc. Alors, au lieu d'aller prier à l'église, il valait mieux prendre la pioche et construire le socialisme. Ici, c'est à coup de masse qu'on édifie l'image saine d'un socialisme pur. Il n'y a pas de beauté pour soi. Il n'y a de beauté que pour la patrie. Et la patrie aime qu'on la serve l'arme à la main. En bonne doctrine, l'art abstrait, qui procède des fantasmes de la personnalité et conduit à l'individualisme, ne peut être toléré à Tirana. Le sculpteur est une sentinelle du marxisme. L'armée qui surgit autour de lui est au garde-à-vous dans la pierre. Dimiter Chouteriki, président de l'Union des écrivains et des artistes, répond avant qu'on l'interroge. Nous pensons que c'est une société nouvelle et nous devons l'aider, l'aider de tous nos moyens pour qu'elle puisse se construire, n'est-ce pas? Et nous avons des livres, nous écrivons des livres pour l'aider. Comment? En révélant aux gens ce que c'est cette société, ce qu'il y a de bien dans la société. Et qu'il faut, n'est-ce pas, aider, n'est-ce pas, pour que ça aille de l'avant. Et ce qu'il y a encore de mauvais dans cette société, qui provient des anciennes sociétés, n'est-ce pas, et qu'il faut détruire encore. Nous pensons que dans les âmes de nos gens, n'est-ce pas, il y a quelque chose des anciennes sociétés, qu'il faut encore détruire. Nous sommes toujours dans ce stade, n'est-ce pas, que nous détruisons quelque chose de la société ancienne et nous construisons de plus en plus la société nouvelle. Nous l'avons construite, cette société nouvelle. Mais il faut encore détruire la société ancienne. La littérature est dans ça. Est-ce qu'elle peut faire le point aussi des erreurs qu'on peut commettre en construisant? Parce qu'il peut arriver qu'on commette des erreurs. Mais naturellement. Jusqu'où peut aller la critique dans cette notion de l'impératif? La critique peut aller partout si elle nous montre comment il faut construire. Nous ne faisons pas la critique pour la critique. Détruire pour détruire. Vous avez besoin de le faire. Il faut que vous détruisiez encore votre société. Il faut la renverser. Nous, je ne parle pas pour vous, n'est-ce pas, pour vos écrivains, qui sont dans cette... qui se mettent sur ce plan, n'est-ce pas, politique. Pour nous, c'est de construire cette société. Petit pays agricole et sous-développé du temps du roi Zog, l'Albanie s'est découvert après la guerre, avec l'appui de Staline, une vocation industrielle.
Les richesses de son sous-sol, cuivre, chrome, fer, nickel, houille et pétrole, justifiaient pleinement ses ambitions. Dès les années 50, les premières usines apparurent. La croissance économique était amorcée au prix de gros efforts. Mais voilà que quelques années plus tard, se développait parallèlement une querelle idéologique qui allait conduire les fils de l'Aigle et le Kremlin à se jeter mutuellement un défi. En décembre 61, ce fut la rupture avec Khrushchev. Un nouvel allié allait prendre la relève du défunt Staline, le camarade Mao Tse-tung. Et aussitôt, les observateurs politiques de conclure à travers le monde que la minuscule Albanie était devenue le premier satellite de l'immense Chine. Ceux qui disent que l'Albanie est un satellite de la Chine n'arrivent pas à comprendre comment un petit pays peut être libre, indépendant et souverain, ni comment entre un petit pays comme le nôtre et un grand pays comme la Chine, il peut y avoir des relations sur un même pied d'égalité. Entre la République d'Albanie, la République populaire d'Albanie et la République populaire de Chine, comme on sait, existe une amitié sincère, indéfectible et révolutionnaire, dont la base se trouve dans la lutte commune pour des idéaux communs et contre des ennemis communs. Ces deux pays, l'un très petit et l'autre très grand, l'un en Europe et l'autre en Asie, se sont rencontrés sur le même chemin, sur celui du marxisme-léninisme et de la révolution. Et ils sont donné la main, sont devenus des pays amis et alliés. Donc, rien de plus simple et de plus logique. C'est donc avec l'aide de Pékin que l'Albanie poursuit depuis 1962 son développement industriel. Il s'agit de répondre aux besoins les plus urgents, alimentation, vêtements, construction, électricité, équipement mécanique. Un exemple parmi d'autres, la grande usine textile de Berat, dans le centre du pays. On l'appelle le combinat Mao Tse-tung. Accessoire classique dans ce décor sévère, les haut-parleurs qui claironnent aux quatre vents information et musique martiale. Ouvriers sont employés ici, 3500 femmes et 1500 hommes, en trois équipes de 8 heures. La semaine de travail est de 48 heures dans toute l'Albanie. Le salaire mensuel moyen d'un ouvrier albanais est de 660 lekt, ce qui correspond sensiblement, compte tenu du pouvoir d'achat, à 660 denos francs. Fait remarquable, pas d'impôt direct. Et des loyers très bas. Autre fait remarquable, l'ingénieur en chef, responsable de toute l'entreprise, gagne, lui, 920 lecs seulement. Cet écart dérisoire est dans la ligne de l'esprit révolutionnaire que le Parti du Travail entend maintenir en Albanie. À l'usine comme au stade, les slogans. Le dépassement de la norme, ne serait-ce que de 1% par chaque travailleur, représente un gain de 3780 mètres de textile sur le plan établi. Renforçons la discipline prolétarienne et exigeons que chacun exploite au maximum ses 8 heures de travail. Pas de relâchement dans la vigilance révolutionnaire, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Il n'y a pas de force au monde qui puisse arrêter la marche victorieuse du peuple albanais dans la voie du socialisme et du communisme. L'usine albanaise serait incomplète sans le tableau d'honneur auquel on accroche la photo des travailleurs méritants. Citation à l'ordre du jour qui rappelle que l'ouvrier et l'ouvrière sont mobilisés corps et âme dans cette entreprise nationale et l'édification du socialisme. Autre indice d'un mérite reconnu, le fanion qu'on accroche à la machine de celle ou de celui qui est parvenu à dépasser la norme.
Elle se nomme Margarita Moucha, mariée, un enfant. Son mari est employé comme elle dans cette industrie. Elle est membre du Parti du Travail, ce qui représente en soi déjà une distinction. Le camarade Moucha, lui, ne l'est pas. Nous avons demandé à voir le logement d'un couple d'ouvriers. C'est chez elle qu'on nous a proposé d'aller. Il y a une grande différence entre leur vie de couple et celle de leurs parents. Il y a bien des choses, n'est-ce pas, qu'ils comprennent à peine. C'est difficile pour eux de comprendre la vie nouvelle, cet entrain de vie, ce dynamisme nouveau. Tandis que nous autres, n'est-ce pas, qui avons vécu dans cette période si dynamique, nous avons des conceptions tout à fait nouvelles. Et ça se voit, il y a un fossé entre nous. Est-ce que madame a le sentiment d'être plus libre que ne l'est sa mère? Bien sûr, je me sens beaucoup plus libre que ma mère ou ma belle-mère. Parce qu'elle était enfermée dans sa maison. Elle était enfermée entre les quatre murs. Elle ne connaissait pas la vie. Elle n'allait jamais au cinéma, jamais au théâtre. Elle ne connaissait rien. Elle ne connaissait rien de la vie. Tandis que moi, je suis libre, je peux aller partout et me développer, n'est-ce pas, de tous les points de vue. Tanas Moucha, sa femme, ses parents, ses deux frères et ses deux belles-sœurs ont rassemblé leurs économies pour acheter cette vieille maison qu'ils ont restaurée et qu'ils habitent ensemble, ce qui représente sous un même toit quatre logements modestes avec une cuisine commune. La maison coûtant 25 000 lek, ils l'ont payée en partie grâce à un emprunt que la banque d'État leur a consenti sans intérêt. Tanas, Margarita et leur enfant occupent deux pièces de la maison familiale. Aucune trace de luxe. La simplicité est l'une des constantes de l'éthique marxiste en Albanie. Là où le confort s'installe, l'individualisme menace. Est-ce qu'ils parviennent à faire des économies? Je ne sais pas. Nous avons 2000 lek, 2000 pesos, 3000 lek. Tous les mois, nous pouvons faire des économies de 200, 250 ou 300 lek. Ça dépend des mois. Et que font-ils de l'argent qu'ils épargnent? Et je ne peux pas le faire. Nous achetons tout ce que nous avons besoin dans la maison, que ce soit des meubles, des vêtements, de la vaisselle, cuisine, etc. Donc, de l'équipement. De l'équipement. Mais ils ne mettent pas de cet argent à la banque. Nous venons d'une banque à Kursimit. Oui, c'est là que nous venons. Alors, qu'est-ce qu'ils comptent acheter la prochaine fois, quand ils auront épargné de l'argent? Tu m'as donné de blé, ni prendre un arche, mais pour qu'il y ait ni coursure, ni fâche, mais pas arche. Nous pensons d'acheter une machine à laver et un téléviseur. Combien coûte un téléviseur? De ce que nous avons entendu dire, ça doit coûter 2000-2500 lek. Il leur faudrait économiser combien de temps pour pouvoir se l'acheter? Sa coda duhet kursejnë që të mund të bleni se? Por ja të qëtë, loga i di, me nërë me zë atarë 2500 lek muajtë kursejnë. Ah, non, non, e dëmi, je crois que nous y arrivions. Est-ce qu'ils espèrent qu'un jour, l'Albanie leur permettra peut-être d'acheter une auto? Monde. Je crois que ce n'est pas le cas maintenant de parler de voiture. Nous avons d'autres choses à faire. Nous avons d'autres soucis maintenant dans notre pays. Ils n'en rêvent pas pour l'instant. Pour l'instant, si vous voulez que je donne son opinion, parce que l'Albanais est laconique, il dit que maintenant ce n'est pas ça notre préoccupation principale. Nous avons d'autres choses plus importantes que ça. Alors quelles sont ses préoccupations principales à lui? Maintenant, il dit, n'est-ce pas, maintenant il dit, ce qui nous préoccupe, c'est autre chose, c'est la construction de la vie nouvelle dans notre pays. C'est la question de relever le bien-être en appliquant bien la ligne de notre parti. Et madame voulait ajouter quelque chose? J'ai parlé de machine à laver comme mon mari, je voudrais parler de téléviseur, parce que la machine à laver me donnerait la possibilité de travailler de plus dans la vie sociale de notre pays. De contribuer de plus dans la vie sociale. Tandis que de voiture, je ne vois pas. Ce n'est plus le cas. Ce n'est pas encore le cas chez nous. J'aimerais savoir si
lui, elle, s'intéresse à la condition des travailleurs, des ouvriers, dans le reste du monde. Bon. Qu'elle soit même dans un stupide. C'est parti. Bien sûr, à travers le journal, n'est-ce pas, nous sommes mis au courant de tous les événements qui arrivent dans les coins les plus reculés du monde. Là-bas, n'est-ce pas, de ce que nous apprenons, les jeunes gens se trouvent dans des conditions un peu pénibles. Il y a le chômage, il y a l'exploitation de l'homme par l'homme, tandis que chez nous, notre parti a créé les conditions les plus favorables pour une vie toujours meilleure, toujours plus florissante. Toute la terre albanaise est exploitée aujourd'hui collectivement. Nous avons visité une coopérative de la côte, à l'extrême sud du pays. Lukova, 700 habitants, est accrochée au-dessus d'une mer très bleue dans un décor de vignes sauvages et d'orangers. Maïs, blé, agrumes, oliviers, figues, poires et pêches, un peu d'élevage aussi, telles sont les ressources de la région. Même les ondes sont captées en commun. Au bout du monde, dans les rues du village, comme à l'usine, Radio Tirana triomphe de tous ses haut-parleurs. Le paysan qui nous reçoit est un ancien propriétaire terrien. Âgé de 67 ans, il a eu 5 fils et 3 filles. Deux de ses fils ont fait des études de sciences et ont quitté la terre. J'aimerais savoir quelle a été sa réaction lorsque on a décidé de créer la coopérative. Est-ce qu'il l'a acceptée comme ça, sans autre ? Les premiers temps, n'est-ce pas ? Bien sûr, ça, nous avons réagi d'une façon un peu pas très contente, mais en constatant les progrès, n'est-ce pas, faits par les coopératives qui avaient été créées depuis le 1946. Alors nous avons vu, n'est-ce pas, que les gens qui faisaient part dans ces coopératives vivaient mieux que nous. Alors nous avons été contents de faire part de la coopérative. Est-ce qu'il avait des problèmes en tant que producteur ? Bien sûr, parce que nous ne trouvions pas de marché. Les marchands qui les achetaient alors les prenaient à très bon marché et ils les revendaient bien cher. Et nous travaillions beaucoup. C'était difficile pour nous, n'est-ce pas, d'assurer le pain quotidien, tandis que les autres s'enrichaient sur nos dépens. Est-ce qu'il est resté propriétaire de sa maison ? Oui, je suis propriétaire. Est-ce qu'il a gardé en propriété une certaine parcelle de terre autour de sa maison ? Oui, une petite parcelle, n'est-ce pas, qui sert pour l'économie de la maison. Alors, quels sont ses revenus aujourd'hui ? Alors, il y a deux de mes fils qui travaillent dans la coopérative. Et j'ai aussi une belle fille, n'est-ce pas, qui travaille aussi. Et de nous, les vieux, n'est-ce pas, qui avons déjà la retraite, mais nous continuons à travailler. Alors, ça fait 1600 lecs par mois de revenus. Pour toute l'équipe, toute la famille ? Pour toute la famille. Mais lui-même, à quel âge a-t-il eu droit à la retraite dans la coopérative ? À 60 ans. Et combien lui a-t-on donné de retraite par mois ? Et ça, il y a une aussi pension de moins. Environ 200 lecs par mois. De façon générale, est-ce qu'il se sent plus ou moins chargé de soucis qu'autrefois ? Maintenant, nous vivons très heureux. Il a dit une chose qui me paraît intéressante. Il dit : nous n'avons pas perdu notre terre. Qu'est-ce qu'il entend exactement par là ? C'est notre terre parce que c'est nous qui l'exploitons. Nous laborons cette terre, nous l'exploitons. Tous les produits sont à nous. Alors nous avons droit à dire, n'est-ce pas, que c'est notre terre toujours, que nous n'avons rien perdu. Si le coopérateur peut vendre ou léguer sa maison, il n'a en revanche que la jouissance du lopin de terre laissé à sa libre administration.
L'ensemble de la coopérative compte 150 000 arbres fruitiers. Les plus vieux ont l'âge de l'Albanie nouvelle, un quart de siècle. On réalise une récolte d'oranges et de mandarines et deux ou trois de citrons par an. Pas de tracteur, le relief ne s'y prétend pas. Dans les coopératives de plaine, en revanche, on intensifie l'usage des moyens mécaniques. Les membres de la coopérative sont rétribués en fonction des journées de travail fournies. La loi réglera bientôt à l'échelle nationale les cas de maladie et de vieillesse. Devant ces collines taillées à la main, mieux encore que devant des plaines labourées en damier par des machines et des tracteurs, on mesure la prodigieuse efficacité d'un effort collectif. On comprend aussi que, par endroits, les statistiques puissent accuser, en 10 ans, une augmentation de la production de 100%. Robert Escarpi, ce théâtre est-il grec ou romain ? Mais ce théâtre est grec en partie, romain en partie, la scène est romaine et le reste est grec, mais surtout il est albanais, car nous sommes en Albanie ici. La Grèce est tout près, elle est à quelques kilomètres, c'est un peu ici que tout a commencé, puisque nous sommes ici à Boutrint, c'est-à-dire Boutrotos, c'est le nom grec, le nom ancien, où se situe le cadre de la tragédie d'Andromaque. Nous avons vu que les Albanais ont des souvenirs littéraires avec Skanderbeg, qu'ont célébré Ronsard et Montaigne, avec Ali Pacha, qui a célébré Byron. Ici, bien, nous sommes avec Racine. On a joué, je crois, d'ailleurs, Racine. A joué Racine ici, dans ce théâtre, il y a longtemps. Le théâtre est albanais. J'aimerais savoir si la langue albanaise est aussi authentiquement elle-même. Mais la langue albanaise est une langue qui appartient à la grande famille des langues européennes. C'est une langue très ancienne qui s'est détachée du rameau général des langues européennes, des différents rameaux des langues européennes, il y a très longtemps, probablement antérieurement à l'époque des héros d'Homère, justement. Et il y a peut-être une autre langue européenne avec laquelle elle a des parentés obscures, d'ailleurs, c'est le roumain. Elle est de toute façon profondément originale. Elle est profondément originale, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de penser, c'est un cas unique, et qui en dit long sur l'identité du peuple albanais, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de penser que cette langue a traversé trois millénaires et probablement davantage, je ne dis pas sans changer, mais en gardant ses traits fondamentaux, elle est fondamentalement ce qu'elle était encore il y a trois millénaires. Est-ce que l'Albanie antique a sa place, par exemple, dans l'épopée d'Homère ? En tant qu'Albanie, non. On ne sait d'ailleurs pas exactement ce qu'étaient les anciens Albanais. Il y a une théorie généralement admise, et admise particulièrement en Albanie, c'est que les Albanais étaient les anciens Illyriens. Malheur, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'étaient les anciens Illyriens. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il existait ici, il y a 30 siècles, d'une population qui avait les traits originaux des Albanais actuels. Maintenant, d'où venait-il ? On ne sait pas exactement. À ces vestiges antiques, les fils de l'aigle, si farouchement nationalistes, n'apprécient pas que le visiteur prête étiquette gréco-latine. Il leur tient à cœur d'affirmer qu'à l'époque des Césars, les Illyriens, leurs lointains ancêtres, savaient déjà résister face à l'impérialisme de Rome. C'est le même réflexe qui leur fait froncer le sourcil lorsqu'on colle aujourd'hui la marque de fabrique maoïste sur leur courageux effort de développement économique. Autre expression, vivante celle-ci de l'identité nationale, la musique et la danse folklorique sont cultivées fidèlement en Albanie nouvelle. Visage inédit d'une coopérative peut-être, mais visage éternel d'un pays.
les Albanais, nous sommes partis de l'Europe. Nous nous sentons participants à la culture européenne par notre civilisation et par notre expérience historique. Mais il n'y a aucune contradiction d'avoir des liaisons, des relations économiques, politiques, idéologiques et la Chine, avec la Chine, et être une partie de cette réalité européenne. Bien sûr, j'ai déjà dit, nous avons des liaisons très bonnes avec la Chine populaire, mais quand même, peut-être vous avez entendu parler, nous nous appuyons sur notre propre force, c'est notre slogan. Ça veut dire que les relations avec les autres pays, même s'ils sont très étroites, très cordiales, très amicales, ne décidons pas sur notre voie historique, sur notre route historique. Ainsi que je vous dirais que nous sommes liés, pas seulement par des intérêts économiques et politiques avec toutes les évolutions européennes, nous sommes une partie de cette évolution. Peut-être nous sommes une partie active de cette évolution. Je crois qu'on ne peut pas comprendre, l'Europe d'aujourd'hui sans aussi cette participation albanaise. Tirana, la capitale. Bientôt 200 000 habitants. Superficie en 1920, 3 km carrés. Aujourd'hui, 30 km carrés. Ni fleuve, ni lac, ni bord de mer. Il est près de midi, l'heure de pointe. La rue appartient aux piétons. Il n'y a pas d'automobile privée en Albanie. Place Skanderbeg, le grand palais de la culture, cadeau et souvenir de l'amitié soviétique, abrite, outre une bibliothèque publique et des halls d'exposition, une grande salle de théâtre où se donnent les spectacles de ballet et d'opéra. Tirana vit calmement, un peu comme dans un autre monde, ignorant la surprise qu'elle cause aux visiteurs fraîchement réchappés du vacarme des capitales étrangères. L'amitié sino-albanaise a droit à quelques tableaux d'honneur et à quelques vitrines. On y voit le président Mao, encadré de quelques scènes qui reflètent la vie quotidienne en Chine populaire. Un peu plus loin, le cinéma d'État propose son programme. Entre autres nouveautés, Babette s'en va en guerre et Fanfan la tulipe. La télévision en Albanie n'en est qu'à ses débuts. Les salles obscures font encore recette. Parlant du choix des films, le responsable de la distribution pour l'ensemble du pays a spécifié spontanément que la pornographie était strictement écartée. Là encore, l'éthique du régime garde la ligne. Il n'existe absolument plus aucun commerce privé en Albanie. Tout vendeur est salarié et les crimes économiques sont sévèrement punis comme autant d'atteintes à la collectivité. Dans les devantures, l'Albanais découvre ce qui s'y trouve et nous, les étrangers, ce qu'on n'y voit pas. L'absence de profit engendre l'absence de choix et la demande ne crée pas nécessairement l'offre. L'argent ne joue plus le même rôle, il perd sa magie. La course au bien-être ne doit pas devenir, dans l'esprit des dirigeants albanais, l'objet du matérialisme dialectique.
Le marxisme pur exige à leurs yeux que l'homme se garde de ses penchants à l'individualisme et au confort qui conduisent inévitablement à l'embourgeoisement. Il faut, disent-ils, par une révolutionnarisation constante de la société, éviter le retour aux privilèges de classe. Ainsi, la réduction draconienne des écarts de salaire. Ainsi, l'abolition des grades dans l'armée. Ainsi, l'obligation pour les intellectuels de s'astreindre un mois chaque année à un stage dans la production, ceci dans un emploi manuel. Cette règle vaut en principe aussi bien pour le petit fonctionnaire que pour le ministre. Révolutions idéologiques et culturelles ne viennent pas, je pense, pour faire ces révolutions socialistes. En Albanie, toute la vie, le travail des gens, leur pensée et leur conscience ont suivi un processus continu de révolutionnalisation pendant toute cette période de 26 ans où l'Albanie poursuit sa voie socialiste. Pourtant, ces dernières années, ce processus de révolutionnalisation s'est encore approfondi. Premièrement, parce que notre pays a terminé la construction de la base économique du socialisme et est passé à l'étape de l'édification totale de la société socialiste. Deuxièmement, parce que le Parti du Travail d'Albanie a su tirer les leçons nécessaires de la meilleure expérience de l'Union soviétique et de nombre d'autres pays socialistes où les révisionnistes ont usurpé la direction du parti et du pouvoir. Étant donné que ce sont les hommes qui font la révolution et la contre-révolution, c'est précisément les hommes que ce processus concerne en premier lieu. Il vise à ce que les hommes de l'Albanie nouvelle soient dans leur pensée, leur travail et leur vie de vrais révolutionnaires, qu'ils ne mettent point sur le premier plan leur intérêt personnel étroit, mais qu'ils recherchent leur bonheur dans le bonheur général du peuple et de la patrie, qu'ils sachent combattre dans leur fort intérieur et chez les autres toute manifestation de l'individualisme, du carriérisme, de la présomption et de l'arrogance. Tirana, 7h30 du matin, les parvis de l'université. Précisons que ces élèves ne sont pas ceux de l'Institut de culture physique. À la libération, l'Albanie comprenait 83% d'illettrés. Aujourd'hui, l'université de Tirana, créée en 1957, compte dans ses 7 facultés et 28 spécialités près de 8000 étudiants. La discipline qui règne dans la maison n'exclut pas qu'on laisse poindre parfois dans son sourire une lueur d'ironie ou de scepticisme. Tous les élèves ne sont pas boursiers. La situation des parents entre encore en ligne de compte, à Tirana, lorsqu'on apprécie la situation de l'étudiant. Dans le hall, 4 bustes et plus loin un 5e, comme un enchaînement de symboles et une perspective à suivre pour la génération montante. Engels. Marx. Lénine. Staline. Et le camarade Enver Hoxha. À la cité universitaire, 4000 garçons et 1300 filles. Les visites des garçons aux filles dans leur pavillon et réciproquement ne sont pas admises. Seule la cantine et certains lieux de récréation sont mixtes. Pour tout le monde, ici encore, aux quatre vents du campus, les haut-parleurs et le programme de Radio Tirana. Le confort des chambres de la cité est assez relatif.
Mais là encore, la jeunesse albanaise a été éduquée à dire « déjà » plutôt que « seulement ». Est-ce que l'une de ces jeunes filles a une bourse? Aka bourse n'y a rien à y ouvrir? Celle-là. Alors j'aimerais savoir comment on lui accorde sa bourse. Est-ce qu'elle l'a demandé et quand elle l'aura reçue, quand elle aura terminé ses études, ce qu'elle doit faire? Après avoir terminé le baccalauréat, j'ai demandé, n'est-ce pas, la bourse. On a étudié les revenus de la famille parce que, bien sûr, on n'accorde pas à tout le monde la bourse, n'est-ce pas? Il faut certaines conditions. Et puis on m'a accordé la bourse. Alors quand elle aura terminé ses études, est-ce qu'elle pourra choisir ce qu'elle va faire? Moi, je suis tout à fait prête à aller travailler là, n'est-ce pas, où je pourrais contribuer le plus pour le bien-être de mon peuple, elle dit. Et pour lui accorder la bourse, est-ce qu'on a tenu compte des besoins de l'industrie dans l'arrondissement où elle vit, dans la ville d'où elle vient? Bien sûr, elle dit, parce que, par exemple, dans ma ville, dans mon arrondissement, par exemple, on a eu besoin de chimistes. Bon, on accorde des bourses dans ce sens. À quel âge pense-t-elle se marier? Elle dit, n'est-ce pas, qu'après avoir terminé les études, peut-être nous aurons l'occasion de connaître une personne avec qui nous espérons, n'est-ce pas, mener une vie heureuse, et voilà. Mais elles n'ont pas cette idée déjà maintenant ici, pendant leurs études. Il y a des étudiants tout de même, tout près d'ici. On ne peut pas exclure, n'est-ce pas, la possibilité de connaître une personne ici, et puis de demander, après avoir terminé les études, d'aller travailler ensemble et de nous marier. Est-ce qu'elles ont le sentiment qu'il y a une différence entre leur vie à elles et celle de leur mère? Auparavant, n'est-ce pas, nos mères ne pouvaient pas suivre les études parce que, par exemple, même si quelqu'une d'elles voulait faire cela, on leur disait, pourquoi faire ça? On disait à leurs parents, voilà, elles vont se marier, vous fatiguez, n'est-ce pas, pour les autres. Parce que ça ne restera pas chez vous. Elle sera mariée à une autre personne et ira habiter dans une autre famille. Tandis que nous, maintenant, n'est-ce pas, nous pensons tout à fait autrement. Nous avons toutes les conditions favorables pour continuer nos études, n'est-ce pas, et pour terminer les écoles. Est-ce qu'elles estiment que l'émancipation de la femme est assez avancée aujourd'hui en Albanie? Est-ce qu'il y a encore du chemin à faire? Bien sûr que l'émancipation est bien avancée maintenant. Il y aura encore beaucoup de choses à faire. Mais il faut toujours faire la comparaison avec le passé. Quand, à cause, n'est-ce pas, des conditions et des régimes antipopulaires qui existaient dans notre pays, la femme était vraiment dans une situation très difficile. La situation est tout à fait renversée maintenant. On ne peut pas faire de comparaison. J'aimerais savoir si il s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur, hors du pays. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, nous lisons les journaux. Maintenant, il y a nos parleurs ici. Nous pouvons écouter, n'est-ce pas, les nouvelles. Ils ont parfois des contacts avec des étudiants étrangers ici. Toutes les fois qu'ils arrivent, n'est-ce pas, nous rendre visite ici. Nous les voyons, nous parlons, discutons avec eux. Mm-hmm. Il y en a ici, à l'université. Pour que l'université est à Casa d'Endatoui. Il y en a, oui. Des Vietnamiens, des Chinois. Des Syriens. Des Marocains, des Soudanais. Est-ce qu'ils pensent qu'on se fait une juste idée de leur pays à l'étranger? De ce que nous avons entendu dire, des lettres reçues par Radio Tirana, des auditeurs étrangers, nous croyons qu'on se fait une juste idée. Est-ce qu'ils sont au courant des différents mouvements qui, en ce moment, agitent plus ou moins les milieux d'étudiants à travers le monde? Est-ce qu'ils ont une opinion à ce sujet? Nous avons entendu parler, n'est-ce pas, des démonstrations qui ont eu lieu dans les pays de l'Amérique latine contre la structure des études décadentes qui existent là-bas. À la libération, l'Albanie ne possédait pas un mètre de voie ferrée. Elle en possède aujourd'hui des dizaines et des dizaines de kilomètres. Ce chantier-là est celui de la jeunesse. Il ne s'agit pas, dans l'optique des autorités albanaises,
de réaliser des économies en mettant la pioche dans les mains des adolescents. Une entreprise spécialisée et mécanisée irait plus vite. En construisant cette voie, chaque année, 30 000 jeunes, paysans, ouvriers et étudiants mettent en pratique un slogan qui doit symboliser la mobilisation totale des fils et des filles de l'Aigle pour l'édification du socialisme et le développement du pays. Ce slogan, c'est « L'Albanie part à l'assaut de ses montagnes ». Les 3000 volontaires des mouvements de jeunesse qu'on trouve en permanence sur le chantier y passent chacun un mois, à raison de 7 à 8 heures de travail par jour, non rétribuées. Ils dorment sur des paillasses, c'est Sparte. Les travaux ont débuté en avril 1969. Des 47,5 km qu'il y a à construire, 6 sont complètement achevés. Le chantier s'étale sur 20 km. On y trouve autant de filles que de garçons. Mais là encore, la discipline paraît stricte. Quel âge avez-vous? J'ai 19 ans. Quelles études faites-vous? Je suis à l'Institut de culture physique. Vous savez un peu de français? Je parle un peu français. Vous l'avez appris à l'école? Je vais à l'école, à l'Institut de culture physique. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose en français? Oui. La République populaire d'Albanie reste ferme et inébranlable sur les bords de l'Adriatique et construit le socialisme maintenant, dans une main la pioche et dans l'autre le fusil. L'histoire nous enseignait que pour vivre libre et indépendant, nous devons toujours être prêts à défendre notre patrie. Celui qui oserait toucher le confin de notre parti trouverait la mort. De qui est ce texte? C'est le camarade Enveroja. C'est une étudiante en lettres de 24 ans, députée à l'Assemblée populaire, qui dirige sur le plan social l'ensemble des opérations. J'aimerais savoir si la jeunesse actuellement en Albanie se distance un peu de la génération qui a vécu la libération. Nous existons. Et de quel apprentissage c'est? Non, chez nous, on ne constate pas cet écart. Ça ne saute pas aux yeux. Pour quelques raisons. Pour quelles raisons? Pour arsuer cette scène, nous n'avons pas vécu, n'est-ce pas, cette période de la guerre. Mais elle est toujours présente parmi nous ici en Albanie. Si vous l'avez constaté, ici, on en parle toujours. La littérature, les romans, et les discussions, et les conversations, les causeries qu'on a avec les vétérans de la lutte de libération nationale, et les chansons qui sont toujours encore qu'on chante partout, dans les rues et partout. C'est-à-dire, cette période héroïque du passé est toujours présente dans nos esprits. Est-ce que les jeunes ne se sentent pas frustrés de cette
cette référence constante à un combat auquel ils n'ont pas pris part. Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu frustrés? Nous ressentons beaucoup de respect pour nos parents qui ont fait cette lutte-là. Et nous considérons notre propre travail, notre propre lutte comme la continuation. Parce qu'ils ont lutté pour la libération de notre patrie et nous continuons pour l'édification d'une vie nouvelle, du socialisme. C'est-à-dire c'est la continuation de cette lutte qu'ils ont déjà commencée au passé. Est-ce que la jeunesse albanaise s'intéresse à l'exemple de la jeunesse chinoise? Bien sûr, elle s'intéresse, n'est-ce pas, comme on s'intéresse à un ami et même à un ami intime. Est-ce que cette expérience a une influence sur la jeunesse ici? Parce qu'on parle beaucoup actuellement dans le monde de l'expérience de la jeunesse chinoise. Nous ressentons du respect et de l'affection pour la jeunesse chinoise, mais en aucune façon ça n'a pas d'influence directe sur nous, parce que nous avons notre ligne, nous avons notre parti, n'est-ce pas, qui nous dirige, qui dirige notre action. De façon générale, dans le monde, la jeune génération demande quelque chose en plus, toujours. J'aimerais savoir ce qu'ici les jeunes demandent en plus de ce qui existe maintenant. Vraiment, je n'ai pas constaté ça. Parce que chez nous, on a déjà créé toutes les conditions nécessaires, selon mon opinion, n'est-ce pas, de tout ce que la jeunesse demande. Par exemple, si elle veut suivre les études, toutes les portes sont ouvertes, demande-t-elle. Pour s'amuser, il y a toutes les possibilités aussi. Pour se développer encore, si elle veut s'entraîner afin d'être toute prête pour la défense de la patrie, ce qui est une demande vraiment profonde de notre jeunesse, ça existe aussi. Je n'ai pas constaté, n'est-ce pas, d'autres demandes en ce sens. Dans une usine de ciment, au milieu des ouvriers, on peut rencontrer de jeunes lycéens en train d'effectuer avec leur maître un mois de stage manuel. C'est la réforme de l'enseignement récemment entrée en vigueur qui conduit les jeunes à faire ce genre d'expérience. Quel âge avez-vous? J'ai 15 ans. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Socrate. Socrate. Vous faites des études? Oui, naturellement. Où? À l'école, au lycée, c'est une école moyenne. À El Bassam, à la, oui, oui, la ville qui est ici à côté. Oui. Pourquoi est-ce qu'on envoie les lycéens dans les usines? Nous sommes venus ici à l'usine d'avoir un contact avec la classe ouvrière. Parce que la classe ouvrière est la classe la plus révolutionnaire. Et ainsi, nous deviendrons des révolutionnaires comme la classe ouvrière. Chez nous, il y a un triangle idéologique. Et dans ce triangle, premièrement, est l'enseignement. Deuxièmement, puis, et la pratique pour la construction du socialisme. Et enfin, l'exercice militaire. Les exercices militaires, oui. Qu'est-ce que vous ferez pendant votre formation militaire? Pendant notre formation militaire, nous apprenons toutes les armes. Et aussi avec les soldats, nous marchons, nous faisons tout ce qu'ils font les soldats. Et vous êtes content d'aller suivre ces cours? Oui, très content. Pourquoi? C'est une chose très agréable. Agréable parce que avec les soldats, je me sens bien, ainsi comme tous les autres camarades. Et nous marchons, nous voyons la nature de notre patrie. Et c'est une chose très agréable. Vous m'avez dit que vous étiez content de construire le socialisme. C'est important pour vous. Oui, c'est très important de moi. Parce que ainsi, nous pouvons devenir notre parti plus fort. Répétons, l'étude, l'usine, l'armée. Voilà donc la troisième pointe du triangle idéologique, la vie militaire. Un mois par an, dès l'âge de 15 ans pour les étudiants et les étudiantes. Ceci pendant les 4 années de lycée et les 4 années d'université. Pour les garçons seulement, au terme de l'université, 3 mois d'armée supplémentaire. Bravo!
Les autres citoyens, ceux qui ne font pas d'études, accomplissent 12 à 18 mois de service militaire à 20 ans. D'une main la pioche, de l'autre le fusil. En Albanie, les slogans ne sont pas de la littérature. Ramper, obéir. Le font-ils de bon gré? Il n'y a pas de conflit entre les deux générations, car toutes les deux, la main dans la main, poursuivent la même voie révolutionnaire tracée par notre parti. Je peux même vous dire que la nouvelle génération est mieux préparée que la vieille pour affronter les problèmes de l'avenir, car elle a déjà une solide base de départ, elle est plus instruite et plus capable à tous les points de vue, et fait déjà preuve d'un grand patriotisme révolutionnaire. Et pour revenir au fond de notre sujet, nous considérons qu'il y a conflit de génération là où il y a conflit de classe. Chez nous, grâce à la révolution, il n'y a plus de classe exploiteuse et de classe exploitée. Il n'y a plus d'exploitation de l'homme par l'homme, ce qui constitue la plus grande victoire de notre révolution et ce qui permet en même temps d'envisager l'avenir radieux de notre pays avec beaucoup de confiance. Il est vrai que dans les pays capitalistes et révisionnistes, il y a des conflits de génération, parce qu'il y a des conflits de classe. Il y a d'un côté l'esprit conservateur des pères qui tiennent les rênes de la vie, et d'autre part les fils qui veulent un changement, qui se révoltent de l'état actuel des choses et qui, pour y arriver, doivent arracher ces rênes que les pères ne veulent pas lâcher. L'avenir de notre jeunesse n'est pas sombre comme dans les autres pays, car notre jeunesse connaît déjà les buts et tous les chemins pour les atteindre lui sont largement ouverts. Est-ce aux enfants de cette révolution qu'appartiendront les lendemains qui chantent? Un jour d'automne 1970, rencontre de football Albanie-Hollande. Tout Tirana est là. Ailleurs, les sociétés de consommation. Ici, la bicyclette. Chacun l'a compris tout bas, personne ne le dit trop. Au-delà du sport, c'est un peu le match Est-Ouest qui se joue. Un match qui dure, soit dit en passant, depuis 25 ans. L'Albanie garde bien ses portes. Elle ne s'ouvre pas sans réfléchir au regard de l'Occident. Le stade de Tirana fut jusqu'ici, pour les reporters occidentaux, la seule chance de jeter comme en coulisses de furtifs regards sur la vie albanaise.
Rencontre Est-Ouest. Oui, mais l'Albanie ne joue-t-elle pas les originales dans son propre camp? Pour beaucoup d'Européens de l'Ouest et même de l'Est, ce petit pays trop rouge et trop secret, c'est déjà la Chine. Les Chinois viennent nés de la Deuxième Guerre mondiale, de la révolte populaire, de la révolution albanaise. Mais si Skanderbeg n'est que un des ans impossibles de l'Albanie, moi je dirais que c'est l'an 1 du défi albanais. La figure de Skanderbeg, héros du XVe siècle, ouvre à l'épopée albanaise un itinéraire qui, de statue en symbole, repose les dernières questions. Qu'est-ce qui, dans l'histoire d'un pays, appartient à la politique et qu'est-ce qui, dans sa politique, appartient à l'histoire? Le prince Skanderbeg peut conduire à Lénine sans l'annoncer. En 5 siècles, le pays s'affirme et change. C'est de l'histoire. Lénine n'a pas tourné le dos à Staline. En un quart de siècle, le régime s'affirme aussi, mais lui ne change pas. C'est de la politique. Pourquoi aujourd'hui Staline a tyranna? Nous sommes pour le marxisme-léninisme pur. Voilà pourquoi, à côté de nos héros nationaux, comme Skanderbeg, nous avons érigé aussi la statue de Lénine et celle de Staline. Vous connaissez déjà toutes les calomnies qui sont inventées par les ennemis du marxisme-léninisme, en premier lieu par les révisionnistes modernes de Moscou, sur la personnalité de Staline. Si vous voyez des statues à Tirana ou dans d'autres villes de l'Albanie, de Staline. L'encyclopédie. Le mot albanais signifie à l'origine « fils de l'aigle ». La montagne ici symbolise la résistance. Voilà pourquoi les Albanais, hier sentinelles de l'Europe en face des Turcs, sursautent lorsqu'on les soupçonne aujourd'hui de livrer l'une des portes du vieux continent à la Chine. Les torrents et les rivières d'Albanie ne coulent pas vers l'Orient. Escarpine se met ici dans les ruines de la forteresse de Kruja. C'est un des hauts lieux, je crois, de l'histoire albanaise. Effectivement, c'est le point de départ de l'épopée de Skanderbeg, le héros national de l'Albanie. Qui est Skanderbeg? Skanderbeg, c'est, je dirais que c'est un peu l'équivalent de Jeanne d'Arc pour les Albanais. C'est le début de l'identité nationale, c'est le début de l'Albanie. Skanderbeg était un prince, Georges Castriotti, qui a été élevé chez les Turcs. Les Turcs avaient l'habitude d'enlever comme ça des héritiers nobles. Et il est devenu un grand général de l'armée turque, si bien qu'on lui a donné le surnom d'Alexandre, Skanderbeg. Et il a, à partir de, je crois que c'est 1444, il s'est dressé contre la puissance des Turcs et tout seul, il a entamé une lutte nationale et dont le point de départ est ici, c'est Kruja, c'est le cœur même. Peut-être en Albanie, discrètement d'ailleurs, mais l'Albanie n'est pas encore pour autant partie en Chine, tant s'en faut. Que l'Albanie se veuille avant tout albanaise, les murs de ce stade le proclament. D'une main la pioche, de l'autre le fusil. À cette image clé, symbole de l'identité nationale, répondent d'autres slogans. L'endurance physique pour le travail et la défense est un devoir patriotique. Pas d'éducation communiste sans éducation physique. Plus vite, plus haut, plus loin, etc. Autre cieux, autre publicité. Albanie, république du sud-est de l'Europe,
dans la péninsule des Balkans, en bordure de l'Adriatique. Superficie, les deux tiers de la Suisse seulement. Une étroite plaine côtière et des montagnes. Population actuelle, plus de 2 millions d'habitants. Une seule langue, hier encore trois religions. Voilà pour... Même de la résistance albanaise aux Turcs, et cette résistance a duré 25 ans, il a tenu ici, en Albanie, plus longtemps que le reste de l'Europe, puisque sa résistance, enfin sa mort, se situe bien après la prise de Constantinople par les Turcs. C'était une sorte de héros européen, en fait, parce que la crainte des Turcs était générale en Europe. Exactement. D'ailleurs, la révolte de Skanderbeg a été liée à des tentatives de révolte comme celle des Hongrois pour faire reculer les Turcs. Ça a marqué les limites du monde occidental, et Skanderbeg est une de ces résistances. Mais ce qui est important, c'est que c'est en même temps la prise de conscience du peuple albanais comme tel. Il avait une tactique particulière Là aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait presque dire que Skanderbeg est un des inventeurs de la guérilla, en ce sens que sa tactique, qui restait célèbre, était de ne pas s'enfermer dans une citadelle comme le prince féodal, mais de laisser là une garnison avec des hommes sûrs, bien entendu, qui défendaient la citadelle, et lui de prendre le maquis, de prendre la campagne, de harceler les arrières. Et en cela, il est particulièrement un héros pour l'Albanie actuelle, parce que c'était bien un de ses chefs dont on peut dire qu'ils étaient dans le peuple comme un poisson dans l'eau. Est-ce qu'on peut considérer qu'au fond, l'épopée de Skanderbeg, c'est l'an 1 de l'Albanie? Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est l'an 1 de l'Albanie, parce que l'Albanie a eu des ans 1 extrêmement nombreux. Il y en a un qui se situe certainement dans la nuit des temps, plusieurs millénaires avant le Christ. Il y a eu un an 1 de l'Albanie au 19e siècle, au moment de la Renaissance albanaise, avec des intellectuels. Il y a eu un an 1 de l'Albanie quand l'Albanie est devenue indépendante après la Deuxième Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale, pardon. Et puis, il y a eu un an 1 de l'Albanie nouvelle, celle qui est...